Le projet lui-même est né d'une convention qui a été signée entre trois entités, trois institutions, le musée du Louvre, dirigé par Jean-Luc Martinez, l'école française d'Athènes, dirigée par Alexandre Farnoux et aujourd'hui par Véronique Chankowski, et Madame Psalti, la directrice de l'Ephorie, et donc la directrice du musée de Delphes. Et c'est vers nous que les responsables se sont tournés, pensant qu'on pouvait apporter à la connaissance et à l'étude de cette pièce unique, exceptionnelle du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait à peu près 25 ans maintenant que nous développons un programme de recherche sur la sculpture de Delphes. C'est à cette occasion que ma collègue, la directrice du musée de Delphes et en charge de l'Ephorie, comme on dit dans le monde grec, m'a demandé une forme d'aide, d'expertise sur l'Aurige. D'abord parce que le musée avait créé une nouvelle salle de l'Aurige, donc elle voulait savoir si les conditions de conservation et de présentation était optimum, et ensuite parce que ce bronze n'est pas si connu que cela. Et par ailleurs, donc, Sophie Descamps au Louvre et Benoît Mille au Centre de restauration des musées de France avaient développé un programme de recherche sur la connaissance technique des grands bronzes antiques. Et pour étudier les grands bronzes et notamment avoir des jalons, il faut avoir des bronzes qui sont à peu près bien datés. Et l'Aurige est un jalon absolu dans le domaine de la sculpture grecque et dans le domaine donc, de la technologie des bronzes. Donc là, ils se rencontraient, vous voyez, une opportunité. La difficulté qu'on a eu à affronter, pour mener à bien ce projet, c'est qu'évidemment, il y a une contrainte importante pour nous, c'est qu'il n'est pas question de déplacer l'Aurige de Delphes. Il faudrait donc être en mesure de l'étudier sur place avec des techniques d'analyse qui sont le plus souvent possible portables ou au moins transportables. La première mission d'étude de l'Aurige de Delphes en mai 2017 avait pour objet déjà de poser le problème, de savoir d'abord, dans quelles conditions de conservation était conservée cette œuvre. Donc on a fait des études de climat, mais également d'environnement, et en effet, les conditions de conservation au musée d'Elphes sont excellentes pour ce bronze. Donc, voilà. Ensuite a été fait un bilan sanitaire de la statue, en essayant de comprendre quelles étaient les techniques de production, et notamment, est-ce qu'on pouvait voir les joints entre les différentes parties, est-ce qu'on pouvait comprendre comment ça avait été assemblé, et est-ce qu'on pouvait deviner ou voir quels étaient les matériaux constitutifs. Et nous avons proposé tout un programme analytique, tout un protocole. Et puis tout le reste a suivi, comment on allait pouvoir analyser les surfaces. Notamment, on a vu assez rapidement que le visage était particulièrement complexe. La complexité du visage, c'était notamment des incrustations de matériaux. On s'est très vite douté qu'ils avaient la vocation de fabriquer une polychromie. Et cette polychromie, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on soit en mesure de la restituer. Et donc ça a aussi amené à emmener tout un panel d'appareils d'analyse et puis à développer ici au C2RMF, à préparer cette mission en développant spécifiquement nos appareils pour être en mesure de travailler à 2,80 m de hauteur avec des appareils d'analyse tels que la diffraction des rayons X, la spectrométrie Raman ou la fluorescence X, en mesure de caractériser tous ces matériaux qui font la richesse de la polychromie du visage. On a commencé à réaliser un projet qui était très très difficile en logistique, en organisation et en application pour assurer la bonne conduite, d'être sûr que les termes des autorisations de travail soient respectés et de faciliter le travail des chercheurs. En tant que restaurateur, je peux comprendre les méthodes que le C2RMF utilise, donc je peux orienter les travaux vers la voie où on va avoir de très beaux résultats. C'est un projet avec un degré de difficulté assez important. On avait par exemple absolument besoin d'une radiographie pour mener à bien cette radiographie, c'est très compliqué parce que l'aurige de Delphes est une statue dont les parois sont relativement épaisses. C'est du bronze, c'est très absorbant. Il faut quelque chose qui réussisse à traverser le bronze. Et donc ça nous a amené à lancer cette idée de radiographie gamma de l'aurige. On avait besoin absolument d'avoir une vue de profil et une vue de face complète de la statue pour comprendre comment elle a été fabriquée. Et donc ça, c'était un enjeu majeur de la mise en place du projet, c'était de voir comment on allait pouvoir réaliser cette radiographie. Donc pour pouvoir faire des radiographies sur des bronzes comme l'aurige de Delphes, j'utilise donc un tube à rayon X de 450 kV. Mais ce tube il n'est pas possible de le déplacer, c'est pas possible de prendre cet équipement et de venir faire des radiographies ici à Delphes, c'est trop compliqué, c'est un équipement qui n'est pas mobile. Donc pour ça, pour pouvoir avoir le même résultat, pour pouvoir obtenir des radios, on utilise donc des sources gamma. Donc en amont, on a fait des essais sur une œuvre du Louvre en bronze. Donc une fois ce protocole validé et surtout la qualité des images qu'on obtenait avec une source de gammagraphie par rapport à ce que moi d'habitude j'obtiens avec les tubes à rayon X, ça donnait de bons résultats, donc c'est là où on s'est dit ça vaut le coup d'essayer de faire cette gammagraphie sur l'aurige. Et c'est là ensuite qu'on a monté toute la mission en collaboration avec l'école française d'Athènes. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι για πρώτη φορά σε ελληνικό μουσείο εκτελείται εξέταση γαμμαγραφίας. Είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος, μια πρωτοποριακή μέθοδος σε χάλκινο γλυπτό για να μπορέσουμε να δούμε το εσωτερικό του αγάλματος και στοιχεία σχετικά με την κατασκευή ή με την ατέλειες που ενδεχομένως υπήρχαν στο εσωτερικό, αλλά και να δούμε και τα σημεία όπου υπάρχει ο πυρήνας. Ο πυρήνας, μετά από σχετική δειγματοληψία, θα μας επιτρέψει να μάθουμε τον τρόπο, με μεγάλη πιθανότητα, τόπο κατασκευής του αγάλματος. This is a very different application than we usually do at our work. However, it is an important application because we provide operational radiation protection to the personnel of the museum as well as the scientists who operate the various instruments in the radiography experiment. We are here to provide the assurance that all this work is taking place according to the proper rules and legislations, and that there is no way that the radiation will be above limits that are very much low and very acceptable for people and the public at large. Alors il faut savoir que les grands bronzes antiques sont extrêmement rares. Si on devait compter le nombre de grands bronzes en pied, non pas des fragments mais bronzes en pied, pour le 5e siècle, simplement le 5e siècle avant notre ère, alors qu'on sait par les textes antiques, par les sources épigraphiques, par les bases qui ont pu être lues, les bases de statues, qu'il y en avait des milliers, il n'y en a plus que 5. Parce que le bronze, qui est un alliage essentiellement de cuivre et d'étain, est un alliage très attirant, pour peu qu'on n'ait pas la possibilité d'aller chercher le métal lui-même. Et dans des temps troublés, cet alliage a été fondu et recyclé essentiellement pour fabriquer des armes, pour fabriquer de la vaisselle. J'ai fait un peu l'assemblage, enfin pas l'assemblage, un pré-assemblage, on va dire, de ce qu'on a fait hier soir. Entre là, on va tirer là. Et ça là, pour là, là on est à 80. là, cette image-là, elle fait 1m97, donc on a un peu de marge. La mission à Delphes, qui est une mission un petit peu particulière pour nous, puisque nous, on a l'habitude de faire des contrôles par gammagraphie sur les sites industriels. L'originalité, si on peut dire, de cette mission, c'est qu'on apporte en fait une source gammagraphique dans un musée. Un musée qui, la journée, est ouvert au public. Donc, ce qui entraîne quand même des contraintes opérationnelles de mise en œuvre assez compliquées, on peut dire. On veut diminuer les distances de sécurité tout en maintenant la sécurité et en conservant la qualité. Et on doit donc amener cette source au contact de l'élément à contrôler de façon à pouvoir impressionner un film qui se trouve à l'opposé, de façon à pouvoir, je dirais, visualiser les différences de matière rencontrées par le faisceau de l'objet. On doit donc positionner une source à proximité de l'origine de Delphes, tout en préservant en fait son intégrité, c'est-à-dire on ne peut pas en fait fixer des objets sur l'origine par exemple. L'originalité, c'est qu'on fait de la radiographie numérique, donc on va placer des écrans entre guillemets phosphore, qu'on va donc irradier, impressionner avec notre faisceau en traversant en fait la statue, et qui vont être après faire l'objet en fait d'un scan. L'école française d'Athènes fouille le site de Delphes depuis la fin du XIXe siècle. La statue a été découverte dans la grande fouille de Delphes sous la direction de Théophile Hommol au moment où le jeune État grec a confié à l'école française l'exploration du grand sanctuaire d'Apollon. Alors cette découverte, elle est très bien documentée dans le journal de la grande fouille. On voit qu'elle est intervenue entre la fin du mois d'avril et le tout début du mois de mai 1896. Et nous avons dans le journal de la grande fouille les détails de cette découverte. L'Aurige de Delphes, c'est une œuvre qui tout de suite a fasciné le monde occidental parce que c'était une œuvre absolument rare, encore plus rare à l'époque, parce qu'il y avait très peu de grands bronzes, et que très vite les spécialistes ont compris qu'il s'agissait là d'une œuvre de l'époque du style sévère, par son style tout simplement, donc qui était avant le milieu du 5e siècle, avant notre ère, donc c'était une rareté exceptionnelle. Et puis par ailleurs, ce bronze, il a été trouvé avec une inscription qui permet de dater assez précisément, puisque c'est une représentation d'un vainqueur au jeu donc pythique, donc au jeu offert à Delphes. C'est très rare en archéologie grecque d'avoir une datation très précise. Donc vous voyez, c'est et ce sera un jalon pour comprendre les autres, les œuvres disparues, mais aussi les œuvres qui ont été découvertes sans contexte, pour lesquelles il n'y a pas de critères objectifs de datation. Et en étudiant la technologie de l'Aurige de Delphes, on espère comme ça pouvoir dater et mieux comprendre des œuvres qui sont connues mais sans contexte. Benoît nous a mandatés en fait pour vérifier la présence de soudure par différentes méthodes, notamment les ultrasons mais également les méthodes radio-gamma, dont l'efficacité a été éprouvée depuis de nombreuses années. Concernant les ultrasons, c'est vraiment une nouveauté. La plupart du temps, les ultrasons n'ont pas vocation de détecter des soudures sur des matériaux type bronze. On est un petit peu sur un aspect développement. Donc l'une des problématiques, c'est qu'il nous a été imposé de ne pas utiliser de gel échographique pour des raisons de pollution de la statue. Donc l'idée, ça a été de déposer des membranes plastiques. Ces méthodes ultrasons sont généralement davantage sensibles à certains types de défauts qui se présenteront de manière perpendiculaire à l'axe du faisceau ultrasonore. Nous connaissons très mal ce monde artisanal qui supposait une connaissance, une pratique sans doute très tôt et un mélange à la fois de savoir-faire technique, il fallait de fusion, de connaissance des matériaux et puis de savoir-faire aussi artistique. C'est dans la seconde moitié du VIe siècle que les techniques de fabrication des bronzes creux, donc en fonte à la cire perdue, et notamment à l'aide de moules, c'est-à-dire qu'on appelle sur négatif ou procédé indirect, mais associés à des techniques virtuoses de soudage, ont permis, ont servi en quelque sorte les aspirations des sculpteurs qui, à la fin du VIe siècle, se sont débarrassés peut-être ou dégagés de certaines conventions religieuses, maîtrisent totalement l'anatomie humaine qu'ils savent transposer dans la pierre et ils vont se tourner vers un autre médium pour dégager les bras des jambes, pour faire varier les pondérations. Et là, on est à une époque charnière de recherche, mais déjà avec une maîtrise technique exceptionnelle. Donc on coule en pièces séparées et puis ensuite on assemble. Et ça, c'est aussi une vraie nouveauté de cette période, c'est la mise au point des techniques de soudage. Le fondeur a beaucoup progressé dans sa manière de réussir à assembler les pièces de bronze entre elles, au point qu'il est capable d'offrir toutes les possibilités aux sculpteurs. Et c'est ça qui a libéré la taille des statues. Tout d'un coup, on passe d'un module 1,5 à un module un peu plus grand que nature. La même chose pour le Poséidon du Cap Artémisione. Là maintenant, tu regardes un peu à droite, à gauche ce qui se passe, voir s'il y a une zone qui sert mieux que l'autre. Il doit y avoir une réponse du noyau, quoi. La cohésion doit être tellement forte que du coup, c'est pas la plan interne qui répond. L'aurige de Delphes, c'est un cocher, mais avec des fragments du char qui ont été retrouvés, avec des fragments du quadrige. C'était un ex-voto de Delphes dont on connaît l'emplacement et qui était détruit manifestement par un immense séisme en 373 avant notre ère. Donc les fragments conservés devaient être dispersés dans l'Antiquité et n'ont pas été conservés, mais les autres, retrouvés en 1896, ont pu être apportés en réserve et nous avons un double travail, aussi bien dans la salle, donc au petit matin ou tard le soir, mais également en réserve à d'autres moments. On a pu pour la première fois faire des prélèvements. Prélèvement donc sur le noyau, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de la statue, puisque c'est un des éléments de cette enquête, hein, c'est-à-dire une véritable enquête archéologique. On a découvert qu'il restait une partie du noyau dans l'orige même, hein, dans l'épaule gauche, parce que généralement autrefois, hein, donc au 19e siècle, et encore au début du 20e siècle, quand on découvrait un bronze, on retirait ce qu'on appelle le noyau. Bon, or aujourd'hui, nous savons que ce noyau est très riche d'informations, parce que vous avez là maintenant la possibilité à la fois de dater, précisément, et surtout de connaître les origines de la Terre. Donc voilà, bon, donc c'est très précieux. Donc on pensait qu'il ne restait plus rien du noyau, et il en restait. Et puis ce prélèvement du noyau a été fait dans l'origine et dans le petit bras de jeune homme, qui reste une énigme, puisque on a dit tout et son contraire, est-ce que ça appartient au même groupe ou pas au même groupe. Des prélèvements ont pu être faits également sur ces métaux pour essayer d'identifier les alliages. Donc prélèvement du noyau, pour toute l'étude pétrographique, parce que autant le métal pouvait venir de très loin, puisqu'il n'y a pas vraiment d'étain et de cuivre en Grèce, mais l'argile réfractaire pouvait vraiment être aux portes de l'atelier, en quelque sorte, du bronzier qui a créé l'œuvre. Donc on attend beaucoup de ces prélèvements pour espérer avancer sur la connaissance de l'origine, parce qu'il n'est pas tout de dire c'est une œuvre qui date de cette époque, mais de quel atelier? Est-ce une œuvre de Sicile qui a été apportée? Est-ce une œuvre des environs de Delphes? Est-ce une œuvre attique? Est-ce une œuvre du Péloponnèse? Pour le moment, il n'y a que le style qui permet de conclure, et là, vraisemblablement, ces résultats vont être essentiels, non seulement pour nous, bien sûr, mais pour la communauté scientifique qui travaille et qui étudie les bronzes. Donc on va avoir beaucoup d'informations de ce type. Les Grecs nous ont autorisé également à faire des prélèvements de l'alliage métallique, ce qui est absolument fabuleux. Et donc là encore, il va y avoir beaucoup d'informations sur la mise en œuvre. Ma spécialité, c'est vraiment le métal. Et je suis en charge d'un équipement de microscopie de fluorescence X ainsi que d'un microscope numérique 3D qui permet vraiment de travailler sur les états de surface, puisque ma spécialité, c'est tout ce qui concerne les patines, les dorures, enfin vraiment tous les états de surface antiques sur les pièces. Et ce qui va nous intéresser là, c'est essayer de voir un peu les traces outils qu'on peut trouver sur l'orige, c'est-à-dire les traces de finition, d'assemblage, et aussi toutes les problématiques de finition de surface, avec savoir effectivement est-ce qu'il y a des patines, regarder un peu plus en détail les yeux, les sourcils, l'incrustation en cuivre des lèvres. Donc c'est vraiment tous ces aspects qui sont, en fait, pas la structure de l'œuvre, mais la vision même qu'on a de l'œuvre. Et l'avantage de la microscopie numérique 3D par rapport à d'autres techniques, c'est-à-dire c'est une technique d'examen et pas une technique d'analyse, c'est-à-dire que là on va vraiment travailler sur de l'image et on va interpréter de l'image. On travaille aussi beaucoup sur ces notions de patine et le rôle des archéologues comme des conservateurs de musées, c'est d'essayer de détecter, pour des œuvres qui n'ont pas été trop touchées, par des restaurateurs, ça peut arriver aussi, de détecter des restes de patine. Et là, on a maintenant aussi, et le laboratoire tient son rang dans ce domaine des patines, on a énormément d'informations nouvelles. J'ai été sollicité essentiellement pour analyser les yeux, les incrustations en fait des yeux, puisque on avait supposé la présence en fait d'incrustations de différentes pierres. Et donc, il faut identifier la nature de ces pierres, vérifier déjà que ce sont bien les pierres, parce que ça pourrait être aussi parfois autre chose, du verre ou voilà, des matériaux artificiels. Il y a au moins 5 matériaux, on le voit en fait. On a pu en identifier 3, c'est prometteur. On va même pouvoir probablement, pour certains, savoir d'où ils viennent. Mais il reste encore 2 ou 3 matériaux très altérés a priori, qui n'ont pas pu être identifiés, donc on va essayer pendant les deux prochaines nuits, d'identifier déjà ces matériaux. Je vais utiliser 2 appareils différents. L'appareil que j'utilise actuellement est essentiellement intéressant pour identifier les matériaux d'origine minérale. Et ensuite, on va pouvoir utiliser un autre appareil qui va nous permettre peut-être d'identifier des patines. Et c'est vraiment finalement la combinaison de la composition chimique élémentaire obtenue par Fluorescence X et la nature des phases minérales identifiées par spectroscopie Raman ou diffraction d'Hélios X qui vont permettre ensemble en fait, d'avoir des informations sur la provenance. Alors, je suis venu dans cette mission pour étudier l'orige, pour mettre en œuvre une méthode basée sur les rayons X. C'est une méthode d'imagerie, donc elle vient en complément des méthodes traditionnelles, la photographie par exemple, ou la microscopie. parce que c'est une méthode qui fait de l'image de composition. Ce n'est pas une image normale comme on peut l'avoir avec les yeux, c'est une image en fait où on a réellement la composition, c'est-à-dire les éléments présents. Cuivre, si c'est un bronze, il y a du cuivre, il y a de l'étain, mais il y a encore plein d'autres choses. Il peut y avoir des incrustations, et là sur l'orige, à l'évidence, dans les yeux, il y a des incrustations. Pareil, la composition parle. Donc c'est une méthode spéciale, qui est toute nouvelle, qui vient d'être développée, et qui vient complémenter les méthodes traditionnelles, et qui donne cette fois-ci donc vraiment plutôt la matière qu'on est en train d'étudier. Bon, il y a des particularités quand même de la mise en œuvre de la méthode qu'on utilise ici, la méthode dite de scanning de fluorescence de par rayons X, c'est que c'est une méthode qui demande beaucoup de temps, parce qu'en fait, elle consiste à passer en revue chaque millimètre carré de l'œuvre qu'on veut étudier. Et là, c'était par exemple le visage de l'orige. Eh bien, il faut une nuit complète pour faire une petite partie de là, en l'occurrence, ce qu'on vient de faire cette nuit, c'était les yeux. Il fallait toute la nuit. Ça demande énormément de temps et surtout d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas laisser l'appareil tout seul, et on a passé toute la nuit à faire des relais pour être sûr que tout se passe bien, pour vérifier que les résultats sont bien engrangés comme il faut. Ce qui va être essentiel dans les résultats liés à l'orige, la compréhension de toutes les matières, c'est qu'on va pouvoir restituer virtuellement la polychromie de l'orige, parce que l'orige n'avait pas du tout cette apparence. Là, on le voit sombre parce qu'il est corrodé, mais il faut l'imaginer avec les dents éclatantes en argent, avec les lèvres rouges, avec la tunique jaune, tout dépendra de la teneur en étain, mais donc jaune et brillante, avec sans doute la ceinture rosée, les rênes rosées, donc des couleurs tout à fait différentes et qui étaient celles que donnait un sanctuaire panhellénique comme celui de Delphes, où pour les pèlerins qui arrivaient ou pour les prêtres, il y avait toute cette cohorte de sculptures de bronze étincelantes au soleil. C'est une dimension qu'on a totalement perdue, parce qu'en plus ces œuvres, pour être protégées, sont dans des musées et qu'elles sont toutes corrodées. Elles sont aujourd'hui brunes, vert sombre, pourpre, bleutées. C'est très beau, mais ça n'était pas ça. Alors la pandémie a évidemment rendu difficile les missions terrain. Il a été compliqué de rassembler les équipes venant de France, de Grèce, et de faire travailler ensemble pendant ces périodes de confinement tous ces acteurs de la recherche. Cependant, toute la partie qui consistait en analyse et en examen des échantillons et en analyse de la documentation récoltée a été permise à la faveur du confinement, faite à Paris, au Louvre et au C2RMF. Et puis nous avons été obligés de retarder un petit peu l'expédition qui a mis en œuvre la photogrammétrie et qui a produit un modèle 3D de l'orige qui sera extrêmement utile pour la suite des études et des examens qui seront poursuivis dans la continuité de ce programme. Sur la mission, j'ai été chargé de numériser la statue de l'orige en 3D. Donc pour ça, j'utilise la photogrammétrie par corrélation dense. C'est une technique basée sur la mise en correspondance de photographies que l'on prend sous différents angles pour permettre une reconstruction 3D de l'objet que l'on photographie. C'est un procédé complètement numérique, basé exclusivement sur la prise de vue. Donc on prend des centaines ou des milliers de photos sous des angles différents et c'est le logiciel qui va reconstruire l'objet en 3D. Et donc sur l'orige, c'est une technique qui présente certains avantages. Le fait d'être assez rapide, d'être assez maniable pour pouvoir le numériser des endroits assez inaccessibles. Donc c'est une technique qui était appropriée pour ce type de numérisation. Et en plus, elle permet de capturer une couleur très précise, donc qui sera aussi utile pour le reste de l'étude. Enfin, un des objectifs de cette 3D, c'est de permettre de spatialiser toutes les analyses qui ont été faites jusqu'à maintenant sur l'orige. C'est-à-dire on peut accrocher chaque analyse à un endroit particulier de la statue sur le modèle 3D. Ça, c'est un des aspects du projet qu'on va développer avec Benoît. C'est d'utiliser un outil qu'on développe au laboratoire, nous, qui s'appelle un système d'information référencé en 3D et qui permet d'utiliser le modèle 3D comme outil d'exploration des bases de données recueillies sur un site, un objet, etc. Là, en l'occurrence, ça sera la statue de l'origine. Moi, j'interviens sur l'Aurige de Delphes sur deux aspects. Le premier, c'est aider mon collègue Pascal Morat sur l'usage de la photogrammétrie appliquée donc, à l'Aurige de Delphes. Et puis, ma mission principale consiste à utiliser une technique exploratrice qui est l'imagerie hyperspectrale. C'est une technique qui vise à explorer les spectres électromagnétiques qui vont même au-delà des spectres qu'on peut avoir et des canaux spectraux qu'on peut avoir sur une caméra couleur, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. On va au-delà puisque cette méthode permet notamment d'aller chercher des bandes spectrales extrêmement larges et ainsi obtenir un certain nombre d'informations utiles pour l'étude de l'Aurige de Delphes, notamment d'avoir la composition chimique d'une surface qui est photographiée, puisqu'on utilise une caméra qui va photographier une partie remarquable de l'Aurige de Delphes, ça peut être notamment des soudures, et de faire apparaître notamment des compositions chimiques de l'objet, d'études, également leur concentration et aussi des propriétés physiques. Et en bout de ligne, de déterminer s'il y a des différences de matériaux et également de polychromie. Je travaille donc au Centre de recherche et de restauration des musées de France où je suis en charge de ce qui est étude 3D pour scanner au moins le visage de l'Aurige et essayer d'étudier vraiment toutes les traces, tous les petits détails qu'on peut réussir à voir. Donc moi, ce que j'utilise principalement, c'est un scanner 3D à projection de franges. Donc je vais avoir une machine qui a un projecteur central de lumière bleue qui va donc envoyer toute une série de franges sur l'objet que j'étudie. Et de chaque côté de ce projecteur, j'ai deux caméras qui vont aller capter toutes les déformations et qui vont me permettre de récupérer une forme 3D qui a un excellent niveau de détail et qui va là jusqu'à une dizaine de microns. Donc vraiment, c'est du très très fin et en plus, l'avantage, c'est qu'on fait une complète abstraction de la couleur, ce qui nous permet de voir vraiment la forme pure sans aucune perturbation. Donc c'est déjà très contraignant au niveau du placement. On est obligé à chaque fois de déplacer le scanner pour avoir toutes les zones. Et en plus, il faut qu'on soit dans le noir pour éviter tout reflet, toute perturbation lumineuse. Le scan est particulièrement performant au niveau du détail. Donc on va vraiment aller sur la petite griffure, chose qu'on ne verra pas forcément en photogrammétrie. L'avantage d'avoir la photogrammétrie en parallèle, c'est qu'eux peuvent faire l'Aurige en entier. Et l'idée, ça va être de tout regrouper pour avoir le plus d'informations possible, parce qu'en plus, eux auront toutes les informations de couleur que je n'ai pas. Et ça va vraiment donner le meilleur résultat qu'on peut espérer sur cet objet. grâce à l'endoscopie, on a pu voir aussi l'intérieur, et notamment la manière dont les yeux, par exemple, sont raccordés. Finalement, être à l'intérieur de l'oreille, le comprendre de l'intérieur, de près, c'est aussi rentrer dans cette société des artisans bronziers, c'est aussi d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a des pratiques différentes, est-ce qu'au même moment, ce début du 5e siècle, il y a d'autres manières de faire, d'où viennent ces artisans? L'œuvre a été trouvée à Delphes, mais l'inscription évoque une famille d'une aristocratie de Sicile. Donc est-ce que les artisans qui ont produit ce bronze sont de Sicile? Est-ce qu'ils sont de Grèce? Est-ce qu'ils sont de la région de Delphes? Voilà, cette analyse-là va nous permettre peut-être d'aller plus loin et peut-être de mieux comprendre cette statue. C'est un des rares grands bronzes à avoir conservé ses yeux, puisque les yeux étaient travaillés à part et rapportés, donc placés de l'extérieur vers l'intérieur, dans les orbites, mais en quelle matière sont-ils? En quoi est fait l'iris? La pupille? Quel est cet anneau à reflet métallique que l'on voit autour de l'iris? Quelle est la matière du globe oculaire? Certes, il nous apparaît blanc, mais quel est-il? Est-ce qu'on peut penser, comme ce que l'on sait des autres grands bronzes, que les cils qui sont faits de tôle découpée aux extrémités et qui maintiennent le globe oculaire, est-ce que ces cils sont en cuivre rouge, comme on le connaît par ailleurs? Est-ce que, à cette époque, la caroncule lacrymale, donc la partie interne de l'œil, était, comme pour le guerrier de Riace, une petite pierre rosâtre ou pas? Et puis les dents, on pense qu'elles sont en argent, est-ce qu'on peut le vérifier? Aujourd'hui, on a une œuvre qui est dans le musée, qui n'a pas donné lieu à une couverture photographique qui nous permettrait de savoir exactement comment elle se présentait, et il y a des éléments que nous avons perdus, quelques photos très anciennes, notamment une photo essentielle qui est celle de la première découverte du premier fragment, qui est la partie basse de la tunique, où on voit le dessous du pied avec un goujon antique qui montre pour nous que ça n'était pas ce qu'on attend habituellement d'un bronze, qui était souvent fixé sur une base de pierre. Là, nécessairement, c'était une fixation mécanique sur un plateau, et donc on pense que cette orige, donc ce cocher, était sur la plateforme du char, et c'est très important parce que ça permet d'avoir une idée du groupe. Donc, on a cette photo, mais sinon on en a assez peu, alors que quand l'orige a été trouvé, il était en plusieurs pièces détachées, donc il aurait été possible d'aller voir et en tout cas de photographier, mais ça a été assez peu le cas. Cette mission est exceptionnelle parce qu'elle applique à cette statue extrêmement connue, extrêmement célèbre, des méthodes d'investigation qui n'avaient jamais été mises en œuvre jusqu'à présent, et elle révèle énormément de nouveautés sur les techniques de soudure, sur la provenance des matériaux qui sont constitutifs de cette œuvre, ce qui va très certainement permettre ensuite de reprendre des études sur les modes de fabrication des grands bronzes, sur l'origine de cette statue, et je crois que grâce à ces avancées exceptionnelles, de grands progrès sont à attendre dans notre connaissance des grands bronzes grecs à l'avenir.